tu vas où comme ça? Là, je vais vite faire la cuisse. Hein. Je tiens le. Tu commentes la coupe. Tu manges là, t'es pas au courant, ça vient de faire un tour. Apparemment, des jeunes du 12 qui commentent, je sais pas, ils parlent de la Coupe du Monde quoi. Viens voir ce que c'est, vite fait. Le 12 commente la Coupe du Monde de football 2018 en direct des studios des Rares, Omar au micro. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 12 commente la Coupe du Monde. On est heureux de vous retrouver pour le match qui a eu lieu il y a un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant, je crois. Entre la France, le 8ème de finale entre la France et l'Argentine, qui a vu, à notre grande satisfaction, la victoire et la qualification de l'équipe de France. Avec la manière, comme je l'avais dit, si vous avez écouté le dernier podcast, hein, les huitièmes de finale, c'est la Coupe du Monde réelle qui commence. Et là, avec mes fidèles acolytes du soir, on va débriefer, hein, comme tous les soirs, sur le match. On va faire un petit tour de plateau rapide. Plateau mytho, hein, mais bon, un petit tour de plateau rapide. Vous l'avez reconnu, Surani. C'est moi, je suis de retour. Méga, Willy Wonk, c'est Rimkus, c'est comment? Ah, on est là, bonsoir à tous. Willy, ça va? Ouais, ça en va. En forme? Ouais, ça ouais. va. Ça va, bonsoir à tous. Pas mal le petit flow. Hein. Merci. Ok. McFly, c'est comment mon gars? Ouais, on est là. Hein. Ça plague, ça plague, ça plague. Et comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont déjà en vacances. Ils ont déjà fait péter la paire de lunettes. Hein. La chemise ouverte. On est un peu hippie aujourd'hui. Ok. Voilà. La chemise ouverte. Des Rolling Stones. Aujourd'hui, je vais vous introduire quelqu'un. Très sincèrement, elle ne devait pas faire partie du podcast, mais on a regardé le match ensemble. J'ai vu qu'elle avait une certaine verbalise. Une bonne analyse. Du coup, on lui a proposé de participer au podcast avec nous. Mais pour des raisons impropres à notre volonté, Poutine et consorts, on a eu des trucs. On l'entendra pas. On ne la verra pas, pardon. Autant pour moi. On ne la verra pas, mais on l'entendra. Et l'invité mystère. Son nom va être changé et sa voix aussi. C'est l'invité. On l'appelle l'invité mystère. Salut l'invité mystère. Bonjour, c'est moi. Vous avez reconnu que c'était une fille, hein, si vous n'êtes pas trop. Non, hein, mais justement. Mais toi, si, voilà, si on se doit voilà de se dire qu'il y a une deuxième fille sur ce podcast, quand même. Ah, j'y tiens, moi ah, j'y tiens. Ah, ça sent. Celle-là, ça sent la commande féminine, ça. Voilà. Ça sent la commande. Non, les gars, bon, on va y aller. Hein. On va débriefer sur ce beau match, sur ce. Waouh, 4-3 au final. Je crois que McFly est encore dans l'analyse. Pour je l'équipe sais pas, de France. Comment... Il a... Avec un très grand Kylian Mbappé. Qui veut prendre la parole en premier, les gars? T'as l'air lancé. Vas-y, moi ça me plaît. Je ne voulais pas tirer la couverture un peu, mais moi je me lance. Bonne prestation. Très bonne prestation, même si dans l'ensemble, pour l'équipe de France, tout n'a pas été bon. Mais j'ai vu une équipe de France qui m'a plu. J'ai vu un Griezmann qui, pas au top, mais qui a élevé son niveau de jeu. J'ai été rassuré par un Pogba sur qui on raillait pas mal. Et j'ai été subjugué par un Mbappé qui, voilà, il s'est dit c'est un huitième, c'est une élimination directe qui est au bout, une qualification aussi directe qui est au bout. Et il a bien choisi le bon côté, il s'est très bien réveillé, ça nous a fait du bien et merci. Et mention spéciale à nos latéraux, franchement, je pense qu'on peut ne plus parler de remplaçants. On parle de titulaires maintenant, parce qu'ils ont fait un gros match, notamment avec Pavard, un beau but. Hernandez qui a fait l'espagnol. Il est espagnol, celui-là. Il est espagnol. Il a fait l'espagnol dans le jeu et dans la combativité.
Et ouais, après au milieu, N'Golo qui déçoit pas, Pogba qui a fait un bon match. Ouais, merci. Même s'il y a encore quelques petits défauts, j'ai envie de dire. Moi, j'ai aimé la prestation de l'équipe de France pour parler des Bleus. Et ouais, hein. On va faire tourner, on va... Un petit bémol au milieu. C'est l'invité mystère. Le carton jaune qui vous l'a remarqué, sur Blaise Matuidi. Qu'on lui donne la parole. Hein. Qui, du coup, sera suspendu au prochain match. Malheureusement pour lui. C'est pas possible qu'il, qu'il y ait une commission comme pendant l'année... quand c'est des clubs, tu vois, quand les cartons jaunes ne sont pas justifiés, il y a des commissions. Ils peuvent enlever les cartons jaunes. Alors, je ne sais pas si pendant la Coupe du Monde, c'est pareil. Mais ça pourrait être possible, mais pourquoi il n'était pas justifié le carton? J'ai non, même pas vu. Bah, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi il a pris un jaune. En fait. Sérieux? Genre, c'était pas contestation, non? Je ne sais même pas si c'est lui qui. Ouais, contestation, mais. Comme Giroud après, un carton jaune à contester, à parler. On verra. En contestation. Okay. Ah, c'est peut-être possible. Hein. Après, je pense que ce sera à l'équipe de France de le demander. Donc après, un match sans match, je dis en vrai. Tu me diras. Vous êtes dur. Non, mais respect à lui parce qu'en sacrifice, c'est vraiment. Il reste Tolisso après, mais ça, c'est pas le même niveau. Ouais, c'est pas la même, moi, je trouve. Hein. Bah, Tolisso, moi, je trouve qu'il a un volume de jeu de ouf, même si c'est pas le volume de jeu de match, je dis. Et en qualité, par contre, en quantité, Mathieu dit, il est légèrement au-dessus, mais en qualité, Tolisso, il l'avale 100 fois. Ouais, pas photo. Après, la qualité de Mathieu dit que c'est un guerrier, quoi. Il est là pendant tout le match, il se donne. Moi, c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça. Mais après, il est là, mais, vraiment, il lâche pas, quoi. C'est ça. Mais il lâche pas, il presse, le pressing, c'est lui, c'est le roi du pressing. Mais bah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais il sert beaucoup, ouais, même. Ouais. Même moi. Bah là, quand il bloque l'aile et tout, franchement, c'est ça. Il joue même pas à son poste, il fait des matchs forts, tu vois. Mais balle au pied, c'est dur quand même. Franchement, il a, c'est vrai, c'est pas son. La première passe qu'il fait. Non. Mais c'est un bosseur, c'est pas forcément. Il a pas forcément de qualité de base, mais c'est un gros bosseur. C'est vrai. Mais franchement, moi, je sais pas. Mais genre, je suis choqué que tu puisses jouer tous les jours au foot et faire des passes de cette qualité. Moi, c'est ça qui me choque. Ouais, non, moi, j'entends après ce que tu dis aussi. Vas-y, on t'écoute. Non, mais en fait, je voulais intervenir. En fait. Mais t'es poli aujourd'hui. T'as le micro. Ouais, moi, je voulais dire à propos de... On parlait de Blaise, là. Ouais, tout à fait. Ben, moi, je trouve qu'on le critique beaucoup... par sa technique, manque de technique, etc., etc. Mais peut-être qu'il a pas de technique, mais il sert beaucoup. Tu vois, peut-être qu'on est dans le foot bling-bling, où il y a les passements de jambes, le style. Peut-être lui, il n'a pas besoin de tout ça. Regardez, là, il a fait une passe, ça a permis d'aller au but. Et peut-être, parce qu'avant le match, j'entendais beaucoup, ouais, mais regarde la compo, il y a Mathieu Eddy, je ne comprends pas. Ben, regardez le match, et après, on voit que ça ne sert pas à rien de l'avoir mis. Et même... C'est possible que si on met quelqu'un d'autre là, même quand c'est qui est rentré à sa place? Tolisso. Moi, pour moi, après, je sais pas si c'est difficile de rentrer dans ce genre de match, mais moi, je l'ai pas vu, moi, Tolisso. Après, ouais, c'est dur. À la fin du match, il attend de se lancer. Et il y a qui? Il y a qui? À gauche, il y a Lemar. Le même boulot que lui. Après, ouais, c'est différent. Il peut faire le même boulot que lui. Voilà. Mais regarde, le truc, c'est quoi? C'est que lui, de base, déjà. Il y a N'Golo Kanté. Ouais, mais il a dénaturé. C'est-à-dire qu'il l'a mis à gauche. Kanté, je ne sais pas si tu peux le mettre à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, tu dis, il l'a déjà fait au PSG. Mais vas-y, tu vois. Genre, j'avoue, lui, c'est vraiment un soldat. Même si tu le mets DC. Mais c'est bien pour ça qu'il le mette là-bas. Parce que le travail, bon, il va essayer par ce qu'il peut faire. Apporter devant, mais ce qu'on sait qu'il va faire, c'est pour ça qu'on l'utilise là-bas, c'est que le repli, lui il va le faire. C'est pour ça qu'on l'utilise là-bas. Sans ça, sinon je pense que c'est les marques qui jouent. Si vraiment c'est un élite, moi la première chose que je disais au début, je disais, mais pourquoi il met pas Dembélé? Mais en fait, après j'ai compris l'équilibre. Non, c'est parfait parce qu'il redescend, ça fait que il redéfend à trois milieux. Et après. Et puis Mathieu dit, il apporte beaucoup à la cohésion d'équipe, à l'esprit d'équipe. C'est un grand frère pour les autres joueurs qui sont très jeunes. Et je pense que, et sur le terrain et à l'extérieur, dans les vestiaires, il est primordial. Mais ça, c'est ça. En plus, t'as vu, quand on disait, ouais, il manque un patron dans l'équipe, tout ça. C'est lui le patron, en fait. C'est lui le patron. Les petits, ils comptent beaucoup sur lui. Les petits joueurs, ils comptent beaucoup sur lui. Dès qu'ils ont besoin d'un conseil, d'un truc, ils vont le voir. Je pense que, du coup, pour ça. Il est hyper important. Du coup, vu que là il a pris un jaune, ça veut dire qu'il joue pas le prochain match. C'est ça. Il joue pas le quart. Du coup,
qui peut le remplacer? Tolisso. Ça va être Tolisso qui va jouer du coup. À part s'il change la compo et qu'il va changer le système de jeu. Non, mais il mettra que Deschamps il change la compo. Je pense pas qu'il mettra Tolisso parce que. Il le fait jouer à gauche, moi tu dis Tolisso, je pense pas qu'il mettra Tolisso à gauche. C'est ça le truc. Non, moi je pense, qu'il change de système de jeu. Je pense que ça va être ça, il va changer. Je pense qu'il change de système de jeu, il part avec un 4-2-3-1 Pogba Kanté et puis il te mettra je sais pas peut-être un Lemar ou un Fekir ou je ne sais pas en plus devant. Tout le monde va lui tomber dessus, non? Mais non. Et en même temps, non, parce ça paraît logique aussi. Moi je pense que ce serait mieux même qu'il change la... le dispositif. Ça dépendra aussi de l'équipe. Ça dépendra aussi de l'adversaire. Tu penses? Ça va être dur de changer de disposition. Ça va être Lemar alors. En poule, tu peux le faire. Ah mais oui, là, possible. Ouais, c'est quand même les. Ouais, là, ça y est. En plus, t'as vu, t'as eu une compo, t'as eu 4 matchs. Cette compo-là, c'était la compo contre le Pérou. La première mi-temps contre le Pérou, c'était la première mi-temps la plus convaincante. Genre, c'était la partie. La mi-temps la plus convaincante des poules. Il l'a remis contre l'Argentine, ça a marché. Si là, il change et qu'on se casse la gueule... Forcément, on va lui tomber dessus. Ouais. Mais comme on disait, qui on va mettre à sa place? Et les seuls qu'on pense, c'est Tolisso ou même dans le système où on l'a comme ça. On pense à Tolisso, mais est-ce qu'il va faire le même taf que Blaise y fait? Et si tu fais rentrer Lemar, il ne le fera pas le taf que Blaise y fait. C'est un vrai problème parce que tu as pris un carton. Le changement de tactique, ce serait ça qui serait le plus plausible pour moi. Mais normalement, c'est pas, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est pas un truc de ouf de demander à un ailier de jouer à son poste. Tu vois ce que je veux dire? Non, genre, carrément. Si tu lui demandes juste de sur ce match-là. Ouais. Ouais, mais Lemar, c'est. Que défendre. Ouais, mais Lemar, plus moi, formé pas... à attaquer que défendre. Ouais. Et c'est ça, dans ce style. Non, après Mbappé, il a beaucoup défendu aujourd'hui. Après, il va le faire. C'est cette nouvelle génération, ils veulent de la rapidité devant. Ouais, c'est vrai. Mais Mbappé, après, quand même, Lemar, moi, je trouve. Ah oui, c'est un mec qui est humble déjà. Et moi, je trouve pas que ça soit un mec genre qui défend vraiment pas. Tu vois, c'est pas assez. Non, ouais, il va le faire. Il défend. C'est ça que j'allais dire. Non, mais il est pas. Je sais pas s'il est prêt. Il est inexpérimenté encore, je trouve. Moi, et là, c'est quoi ça va être quoi? 8e quart de finale. Moi, pour moi, c'est trop élevé. La pression, elle est trop élevée. Je suis d'accord. Un quart de finale. Et en plus, je pense que ça va être. Bon, pour moi, je me dis, le Portugal, ça va être chaud. Ou en tout cas, une des deux équipes. Ouais, ou l'Uruguay. Ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 chaud. Ça veut dire qu'il faudra défendre et attaquer en même temps. Et c'est ça. La clé du match, ça va être ça. Ça va être gérer les temps forts et gérer les temps. Voilà, tu vois. Et Blaise, lui, il sait le faire, ça. Il sait le faire. Il sait le faire de ouf. Mais après, Lema, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qui on peut mettre à la place. Mais voilà. C'est pas le même profil, ouais, c'est vrai. Mais bon, on verra bien de toute façon. J'ai pas le droit de. Moi, je partirai plus pour le changement tactique. Après, ouais, on verra. De toute façon, même, je pense pas qu'il. T'as vu, il mettra pas les marques. Parce que je sais pas, je pense pas qu'il lui fasse vraiment confiance. Mmh. Tu vois. Mais en amical cette année, il a pas trop fait jouer. Et peut-être qu'il mettra Ousse. Ouais, soit Dembélé, soit... Mais c'est plus déséquilibré que Lemar pour moi. C'est parce que c'est plus offensif encore. Et carrément. C'est pire. Si Meus, pour moi, il change de pour ça, c'est compliqué, en fait. C'est sûr. Deschamps, il est frileux de ouf. Hein. Ouais, il n'aime pas trop le changement, lui. Ah, c'est un fou, ça. On verra bien. On verra bien. Ouais. Mais sinon, son match, tout ça... comment ça s'appelle? Vas-y, l'Argentine, faible. De ouf. Moi, j'ai trouvé que c'était archi faible. Surtout derrière, c'était incroyable. La défense centrale, c'est dégueulasse. Otamendi, comment... Mais même les latéraux, frère. Il énerve, il est énervant. T'as vu quand il a shooté? Non, mais c'est incroyable. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Ouais, mais il l'a fait pourquoi? Il savait que c'était plié. Il voulait juste que ça porte en vrille. C'est tout. C'est tout. Il y a aussi Mercado, là, il a fait beaucoup de malin. Sans chaud, c'est ça. L'arbitre de touche, il était... Ah ouais. Puis non, mais c'est pas un mental d'équipe qui va gagner, ils sont tout le temps dans le doute, chaque fois que tu prennes un but, tête de basse. Même le vice et tout, mais ça sentait que le groupe argentin, de toute façon, il... Pas du tout fair play. Ouais, puis... pas fair play, et le groupe, il est pas soulé. Elle me l'a répété 20 fois, il fallait que tu le fasses. Soulé. Puis le coach, vraiment, j'aime pas ça, les équipes qui jouent comme ça, tu vois, c'est vraiment... C'est qui ont pas l'esprit, tu vois, ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup, tu vois. Et le coach Serge Argentin, il est surexcité sur le banc, il fait des allers-retours, il fait que stresser ses joueurs. Ils ont pas besoin de ça sur le banc, quoi. Voilà, c'est difficile un peu. C'est normal qu'ils fassent les 100 points. Ces équipes-là,
pour apprendre. Parce que le jour tu t'arrives en finale, tu tombes sur une équipe comme ça, tu te dis, ouais, mais on a tapé toute la Coupe du Monde, des équipes tranquilles. Il faut des équipes qui ont du vice comme ces équipes-là, tu vois, pour apprendre comme ça. Si un jour ils tombent sur une équipe comme ça, ils font les vices-là comme eux. Pour moi, on a besoin de tout dans le football. On a besoin de vicieux, de salauds, de bons gars, un mélange de tout. Et ça fait le football. Si tout le monde serait gentil... Non, mais après, c'est pas gentil. C'est juste respecter un moment les règles et te faire plaisir. Ouais, mais personne ne les respecte. Tu vois. Personne. Le deuxième but de l'Argentine, c'était un coup de chance ou c'est... C'est 100% de réussite. C'est... Voilà. Messi tire complètement à côté. Je crois qu'il va en touche carrément la balle. C'est Mercado. Mercado, il essaye de retirer sa jambe. Et ouais, il touche la balle, et voilà, ça trompe Loris. Non. Et là, on a eu une bonne réaction. On aurait pu être comme les Argentins. Ils n'ont pas baissé la tête. C'est ça qui est bien. C'est... Même moi, j'ai baissé la tête. Moi, je ne vous mens pas en tant que supporter. Moi aussi. J'ai dit, on est cuit. Parce que c'est fini. Ils ont marqué dans le football avant la mi-temps. Et après la reprise de la mi-temps, ils ont marqué. Là, c'est les pires moments. Ils nous ont assommés, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne vous mens pas. Messi. Ah, franchement, Messi, zéro. Il a raté, franchement, en Liga. Il a eu des occasions. Il met des buts plus difficiles. Même contre le Nigeria, où c'est une transversale, ouais. Il a contrôle du genou. Elle ne tombe même pas, il a contrôle, frappe croisée. Là, il était devant les buts. On dirait, c'était trop facile, il n'arrivait pas à la mettre. Ah, mais tu trouves qu'il a eu autant d'occasions? Il a eu une occasion à un moment même. Il a eu une belle occasion. Ah, c'est un bon. Ouais, mais si tu regardes l'action. Non, il n'est pas en face. Quand il tire sur côté. C'est vrai, il est gaucher. Ouais, mais Mbappé, il est quoi? Il est droitier. C'est en deuxième mi-temps, ça? Ouais, mais Mbappé, il est quoi? Non, je crois pas. Il est droitier, Mbappé. Mais. Il a tiré du gauche, elle est rentrée. T'as raison, mais en fait sur le moment de l'action, si tu regardes bien, il y a le déséquilibre juste avant. Et lui, il s'est empressé de tirer parce qu'il voit pas les mecs venir. Il aurait même eu le temps de pouvoir poser le ballon et reprendre ses appuis et frapper. Mais il l'a pas vu. Pour lui, ça revient vite. Et avant même de frapper, il est déstabilisé. Il y a pas de problème. Mais Omar, là, on parle de Messi, on parle pas de Giroud. C'est un mec, lui. C'est quelqu'un qui a l'instinct de buteur. Tu le connais, lui. Tu sais très bien. Non, c'est un assassin. D'habitude, assassin soit-il, la déstabilisation. Mais si, pour moi. Mais si, il a fait une bonne action, c'est la passe pour Kun Agüero et tête de Kun Agüero. Ça, jamais avoir bu sur ça, par contre. Non, mais par contre, ouais, voilà. Je suis vraiment pas d'accord. Normalement, il est en retard, il est derrière. Oui, c'est ça, ouais. C'est un erreur de positionnement. Fait un pas, il y a hors-jeu. Mais par rapport à Messi, là. Agüero, il part de derrière. De toute façon, il n'y aurait pas eu hors-jeu. C'est l'autre joueur. C'est l'autre joueur qui aurait été hors-jeu. Agüero, il part de derrière. Mais franchement, celle-là, c'est pas normal. Pour un défenseur central. Moi, pour revenir sur Léo, t'as vu Messi, là. Moi, je comprends pas son truc. Parce que t'as vu, style. Vas-y, il se plaint parce qu'il. Enfin, il se plaint pas, mais. Genre, il supporte mal la pression du peuple argentin sur ses épaules. Style. À chaque fois, il dit ouais, je vais prendre ma retraite. Je sens que le mec, il est un peu borderline dans son délire. Et le mec, il demande à Sampaoli de monter l'équipe pour lui, qui joue pour lui, jusqu'à ce que le mec il lui demande s'il peut faire entrer Agüero, des trucs comme ça. Mais au final, il les emmène nulle part. Moi, je trouve ça vraiment dérangeant. Mais. Le complexe argentin, il y a Messi qui veut pas jouer avec Dybala. Enfin, au sein du groupe, ils sont tous, c'est des individualités. Ils veulent pas jouer ensemble. C'est pas une équipe, c'est des joueurs par-ci par-là. Ouais, mais moi, pour moi, c'est vraiment Messi le problème, parce que tout tourne autour de lui et lui, il assume pas. Derrière, il fait pas les différences. Et tout à l'heure, tu parlais d'état d'esprit. Moi, t'as vu cet état d'esprit-là, c'est pareil que toi pour le fair play. Moi, j'aime pas moi ces trucs en mode j'utilise 2-3 mois entraîneur, je sors des petits papiers, je lui dis ouais, moi j'ai envie de jouer avec lui, un tel. Vas-y, tu joues avec des Mezza, il y a Dybala sur le banc. C'est pour ça qu'on doit dire merci. Je suis d'accord avec toi. Il y a Higuain sur le banc aussi. Mais est-ce que les autres joueurs argentins, ils font ce qu'il faut pour être au niveau? Parce que pour moi, c'est
tout le monde qui est claqué en Argentine. C'est-à-dire que même si Messi il a fait l'équipe pour lui, si les joueurs à côté ils sont éteints, Messi il brillera pas, tu vois. Ouais, mais pour moi ça vient de ça. Tu penses que c'est Messi qui doit faire briller les autres pour... Ouais, mais non, des fois, c'est ça. Et les autres, ça les... je sais pas, ils sont crispés. Ouais, je sais pas, dans les premiers matchs, j'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris, dès qu'ils avaient le ballon, ils voulaient donner à Messi. Dès qu'ils avaient... C'est-à-dire que les mecs, ça leur met une pression. Exactement. Et une pression négative. Parce que, au final, des bêtes de joueurs, ça fait des joueurs éteints, alors que en vrai de vrai, l'attaque d'Argentine... Je pense que c'est une des meilleures du monde, en vrai de vrai, si tu regardes individuellement tout ça. Après, défensivement, on sait que c'est vraiment c'est un gros problème. Oh, non, défensivement, ils ont pas de gardien. Déjà, à la base, ouais, ils ont pas de gardien. Moi, je trouve que latéral, Tagliafico, ça va, lui, c'est ses matchs, mais sinon, le reste. Mais par contre, t'as vu, truc là, les attaquants, pour revenir sur ça, Messi, style, t'as vu, il impose tellement de choses. Je pense que même dans les systèmes, dans la façon dont ça joue, que ça bride Agüero, ça bride Higuain, genre, tu sais, c'est comme si tu me disais, l'Argentine, Agüero, c'est un attaquant qui aime la profondeur, tu vois ce que je veux dire, c'est un attaquant, il joue à l'instinct de fou, c'est pas jeu du Barça en mode, cérébral de ouf, mathématiques, tout ça et tout. T'as vu, si tu concentres tout sur Messi et que les systèmes, ils passent tous par, où Messi se retrouve dans l'action et l'importance de Messi dans l'action, ben c'est forcément Agüero, il va pas sentir il va pas être mis en valeur, c'est ça, il va pas être valorisé, je crois, et c'est ça le problème, en fait, c'est que tu peux pas faire jouer des mecs comme Higuain et Agüero contre nature, tu vois, c'est pas possible, t'as vu, normalement il y a pas d'histoire de eux ils ont à se mettre au niveau de Messi et Messi il doit les tirer vers le haut. T'as vu, quand on avait Zidane, Henry, tout ça et tout, on se posait pas ces questions là hein. Juste ils jouaient ensemble, ils faisaient Zidane, le taf. Il tirait des joueurs vers le haut. Oui, il tirait des joueurs vers le haut. Il y avait des joueurs qui élevaient leur niveau pour oui. Est-ce que Zidane c'était à ce point là? Zidane c'était pas à ce point là, c'est ça. Parce que c'est ça, Messi c'est un truc de ouf. Parce que t'as l'impression que tout tourne autour de lui. Zidane lui c'était un maillon. Lui c'était un maillon du truc. Messi eux, ils en ont fait un dieu. Si c'est le président. Ils en ont fait un dieu pour eux. Messi. Ouais, mais tu sais, non, eux, ouais, non, moi je te parle des Argentins. Ouais, ouais. Ils en ont fait un dieu. Ouais, mais... Le dieu Messi pour eux, c'est eux, c'est un dieu du football. Détrompe-toi, parce que justement, les Argentins, du fait que lui, il n'a jamais joué en Argentine, c'est pas leur joueur préféré. Hein. Messi, ils sont pas archi derrière lui. Ouais, hein. Mais... Tout ce c'est pas autour, tout Maradona, monde, genre. Tout le monde le mousse, tu vois. En gros, oui, Messi, ouais, Messi. Ouais. Mais qui peut... Regarde, ça, même je pense que c'est même plus... Après, Barça, c'est pas... C'est dur de déloger mais Messi. C'est ce que j'ai dit. Après, c'est pas étonnant. On connaît tous. Hein, on Messi et son tous. Ego. Ouais, mais voilà. À Barça, ouais, il ouais. fait pareil. Hein, ouais, quand il y a un joueur qu'il aime pas, le joueur, regarde. Bizarrement, il joue plus après, quoi. Un exemple. On le sait tous. Regarde, un exemple. Rabiot en équipe de France, il a dit quoi? Rabiot en équipe de France, il a dit quoi? Il veut pas être réserviste. Lui, carrément, il a dit, il la quitte la sélection et il revient comme ça. Normalement, tu la quittes, allez. Oui, normalement, ça se voit que lui, on dirait, il est au-dessus même de la sélection. C'est parce que les gens, ils acceptent ça et qu'ils le mettent à cette place-là aussi, tu vois. Ouais, mais c'est parce que leur sélectionneur, ouais, c'est pas le même. On allait le chercher comme je sais pas quoi. Eh, mais ça se trouve, regarde, Ronaldo, quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Il est sorti sur blessure. Moi, pour moi, ils ont été meilleurs que quand il était sur le terrain. Non, mais regarde, t'as vu? Quoi? Attends. Quoi? Ils ont été meilleurs. Les Portugais, ils ont été meilleurs quand CR7 il est sorti. Parce qu'ils ne le cherchaient plus. Ils ne le cherchaient plus. Messi, là, il se blesse, il sort. C'est ils une ont autre dû équipe s'adapter parce qu'ils vont s'adapter. Lui, en fait, ils vont se dire, ah, il n'y a pas Messi. C'est bon, quand on a le ballon, on ne va pas que penser à lui. Mais même, regarde. T'as vu, je pense à un truc, quand on était, genre, tu vois l'équipe de 2006, d'Argentine, tu te rappelles avec Riquelme, Lucho González, Cambiasso et tout, là. Messi était déjà très fort à cette époque-là, mais c'était pas le patron de l'équipe, tu vois, il pouvait pas parler avec eux, il pouvait pas parler à Riquelme, il disait, ouais, Riquelme, tu vas faire ça, non, tu vois, ni à Cambiasso, ni à Zanetti, ni à personne, tu vois, ça veut dire, cette équipe-là, là, genre, c'était archi bien équilibré, parce que lui, il faisait son taf, il fermait sa bouche, et voilà, lui, Tevez devant, c'était, tu vois, c'était bien, c'était juste ce qu'il fallait. Maintenant qu'il n'y a plus ces mecs-là, style lui, c'est devenu le meilleur mec, des tous, ouais. Le mec ultime, style, c'est frère, c'est Chichalal, man. Est-ce que les autres, ils laissent pas un peu ce truc se faire? Est-ce qu'ils ont le choix? Tu vois? Non, mais moi, ils savent très bien. Ils savent très bien.
C'est ça, c'est une bande, tu sais très bien. Moi, je te jure avec, que moi, ce truc-là, je te jure. On te vire, tu sautes. Si t'es pas avec Messi, tu sautes. Si tu te mets contre Messi, tu sautes. Ouais, mais tu sautes. Mais tu sautes, ils vont prendre qui? C'est ça la question. Tu sautes, tu t'enlèves Higuain, Higuain déjà, c'est sûr qu'au fond de lui, il a pas envie, ce système-là, ça lui casse les couilles. Higuain, parce que déjà, on sait très bien, il s'est barré du Real, pourquoi? Parce que lui, il voulait pas faire que des passes à Ronaldo, lui c'est un mec, il a la dalle, il veut mettre des buts, il s'en bat les couilles de Ronaldo, donc vas-y. Et t'enlèves Higuain, Messi, donc si on suit la logique, il veut pas d'Icardi aussi, voilà, donc... Icardi, non, mais c'est Agüero, et Messi veut de personne. C'est-à-dire tu vas mettre qui? T'es obligé, même si les joueurs ils se peignent. Tu mets Mezza, Pavon. C'est ça qu'ils font. Ils jouent avec Mercado, Mezza, Pavon. Mais c'est ça. Ouais, je te jure, c'est ça, vous bien vrai. Mais Dybala, mais ça marche jure, pas. Ils l'ont pris. Ça marche non, pas. Ça marche pas. Mais c'est ça. C'est Dybala, ça le problème. Pourquoi ils l'ont pris pour le prendre? Parce que Dybala, je sais pas combien de temps il l'avait pas appelé. Dybala, je te jure, il le. Je te jure, Dybala, ils le prennent juste pour dire ouais. Au moins lui, on l'a pris. Regardez, on n'est pas. Je suis pas un dictateur style. Mais je te jure que vas-y, Red, il a pas joué. Il a pas joué Dybala. Mais il a il est entré. Mais si, voilà, je crois à 3 minutes. Il est entré en jeu. C'est le futur lui ou je sais pas quoi. Tu vois, il l'encensé de ouf. Et là, en fait, c'est moche les trucs comme ça. Frère. Voilà, c'est moche. Parce que même un Lo Celso, il aurait pu apporter de ouf. Dybala, il aurait. Et quand tu vois les milieux qui ont joué. Même Messi, il est pas au top au bout d'un moment. Fais-le sortir un peu. Ouais. Mets-le, tu vois. Même si tu sais que demain, on va menacer ta mère si tu fais sortir. Mais c'est ça, je sais, tu vois. Mais. C'est une grande compète, tu vois. Je sais pas, moi. Moi, je te jure, moi, je me. Ronaldo, tu sais la différence entre Ronaldo et Messi, c'est que Ronaldo, tout le monde est avec lui. Oui, parce que Ronaldo, il n'y a pas d'autres grosses individualités dans l'équipe. C'est ça. Ouais, mais en plus, Ronaldo c'est un bon compromis, moi, je trouve. Ronaldo, c'est un mec, tu vois, quand il parle, les joueurs, ils l'écoutent. Et Messi, je pense que quand il parle, il y en a, ils ont le seum. C'est-à-dire, il y en a, ils écoutent. Il y a des clans, il y a des clans. Ils sont pas tous derrière lui. T'as Dybala, t'as Higuain, t'as Agüero. C'est pas Bernardo Silva, c'est pas. C'est ça, tu vois. Mais c'est pour ça que tu peux pas mettre Messi vraiment tout en haut et eux tu les mets en bas, mais vraiment 6 pieds sous terre, t'as capté ou pas? Parce que déjà, aussi, c'est des top players, frère. Tu sais bien que c'est des joueurs à 150, je sais pas combien de millions, tu vois. Mais déjà, Messi, là contre le Nigeria à la mi-temps, c'est la première fois que je le voyais parler style au groupe. Style il est capitaine et tout, c'est la première fois de ma vie. Voilà, c'est ça. Tu vois, Messi, style il parle au groupe. Non, mais vraiment, t'as vu, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on sent que c'est vraiment pas son truc. Mais on a vu son brassard, mais donne-le à Mascherano, donne-le à un mec qui parle. Oui, c'est ça. Mascherano, tu lui donnes rien du tout à Mascherano. Parce que c'est un leader. Mascherano, il fout le feu à l'équipe. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un leader. Mais si ton leader, il prend l'eau, frère. Beaucoup plus que Messi, même Mascherano. Mais 100 fois plus. Oui, le mérite plus. Coupe du Monde 2014, quand il y avait les rassemblements, quand il faisait des prolongations, les trucs comme ça et tout. C'est Mascherano qui parlait, c'est pas Messi. Messi, des fois. Tout le groupe se réunissait et genre il y avait le groupe là et Messi il se mettait là solo, il cogitait, tu vois. Messi c'est le premier à baisser la tête quand il se prend un but. C'est un truc de fou. Tu vois, regarde. T'as dit quoi? C'est le premier à baisser la tête quand il se prend un but. Ouais, mais clairement. Hey, comme il m'énerve quand il fait ça en plus. Et après, du coup, il m'énerve. Tu vois, regarde, là tu parlais des rassemblements. Nanani, Messi il est à l'écart. C'était à l'Euro, je crois. Ouais. Portugal. Ouais. Moutinho, il s'est chié dessus, il voulait pas tirer le penalty. Ouais, quand Ronaldo, il allait le voir, il lui a dit écoute, poto. Tiens bien, toi. Tu vas marquer, frère. Ouais, il lui a dit non. Toi, il a remis en confiance. Il a tiré, il a marqué. Il a dit toi, tu sais bien tirer. Notre destin, il est entre les mains de Dieu. Ils font que, tu vois. Ouais, il a dit c'est la volonté de Dieu. On doit perdre. Juste une petite phrase, ça peut rebooster un joueur, un truc de ouf, tu vois. Mais en fait, l'Argentine. C'est ça, frère, tu vois, c'est un ancien Moutinho par rapport à Ronaldo. Bien sûr. L'Argentine, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des bons cadres. C'est pas des cadres, il n'y a pas de cadre. Ouais, humainement, c'est vrai qu'il n'y a pas de mec qui prend l'équipe comme ça. Et Ronaldo, tu as vu ce que je disais quand tu parlais tout à l'heure, c'est que c'est un bon compromis dans le sens où déjà, c'est un mec qui s'adapte à plusieurs systèmes. Tu as vu, il ne va pas venir, il ne va pas dire « Ouais, moi, je veux jouer Kamas, même si je pense que tu as vu, ça tourne autour de lui. Non, ça tourne autour de lui, mais... Genre, il est plus flexible, je pense, déjà, sur la façon de jouer. Parce qu'il
il est plus complet dans un sens que Messi, tu vois. Il peut jouer dans... Genre, il a plus de flèches à son arc, tu vois, il court vite, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur l'aile, un peu moins maintenant, mais tu vois, genre, il est plus différent sur les systèmes de jeu, je peux utiliser de plusieurs manières différentes. Et bref, et t'as vu, lui, tu vois, il sait que l'équipe elle joue pour lui, mais derrière, il assume. Cristiano, t'as vu, il a mis presque tous les buts de son pays pendant le mondial. Et en plus, en sélection, il fait même des retours défensifs. Tu vois ce que je veux dire? Et il crie, il est sur le terrain, il mène son équipe. Parce que lui, je sais pas, donc c'est un bon compromis. Lui, c'est tout son pays pour lui. C'est vraiment un truc de ouf, le Portugal pour lui. Tu vois, c'est une grande fierté de jouer dans cette équipe. Moi, je me dis peut-être que c'est leur coach qui arrive pas à gérer ce genre de truc. Parce que regarde, si tu regardes bien, toutes les équipes qui jouent contre l'Argentine, ils mettent un pressing sur Messi. Pressing de 2 à 3 joueurs. Mais c'est ce qu'a fait la Croatie. Mais maintenant, normalement, si tu as un coach, tu dois savoir qu'ils vont te le, ils vont te le fermer. Ouais. Tu dois trouver un truc pour que l'équipe elle arrive à jouer sans Messi. Mais normalement, c'est ou un autre joueur pour prendre piège, Messi. Ouais, un piège, genre, pour prendre les joueurs de Messi. Messi un peu plus bas que... les déstabiliser mentalement parce qu'ils se disent que tout le monde se focalise sur Messi. Toutes les équipes qui jouent contre l'Argentine, ils se disent quoi? Messi, faut l'empêcher de jouer. Et eux, ils jouent sur Messi. Mais c'est ça le truc. C'est un avantage parce que si tu as trois joueurs sur un joueur, forcément, c'est ça. Normalement, tu as un surnombre quelque part sur le terrain. Il y a un joueur qui avait dit ça quand j'ai un joueur sur moi, je sais que maintenant, il en reste tant sur le terrain. Il y avait un joueur qui avait sorti cette punchline. Et j'ai dit, Mais c'est ça. Normalement, il doit prendre ça comme ça. Mais bien sûr, parce qu'en plus, c'est pas des bras cassés qu'il a à côté de lui. Tu vois, c'est ça le truc. Je suis d'accord avec toi, mais regarde à côté. C'est qui? D'accord, le mec, il est muselé, il a 2-3 mecs sur lui. Mais à côté, c'est les joueurs qui sont là. À partir du moment où lui, il est muselé, c'est les mecs qui sont à côté de lui, à eux de faire le taf. Tu vois ce que je veux dire? Et ils le font pas en vérité. Si tu remarques, ils le font pas. Omar, c'est qui a marqué? Di Maria. Dans l'équipe actuellement, ceux qui ont marqué, c'est tout le monde, Di Maria, etc. Mais pas Messi. Messi, il en a mis un quand même. Pas aujourd'hui, mais il a marqué combien de fois là? Un but. Un but contre le Nigeria. C'est tout. Après, c'était le Nigeria qui ont mal. C'est un bon ballon de la profondeur qui. C'est un super geste technique quand même. Ils l'ont pas fermé. Ah, au-delà de ça, il y a la passe. Ouais, je vous ai sérieux ou quoi? Pardon. 99% des attaquants, il y a un moment où ils ralentissent la course. Ça s'enchaîne. C'est un truc de. Mais si tu regardes au ralenti, tu vois que le ballon il tape. Au ralenti, il se pose sur son pied comme si le ballon il voulait se poser sur son pied. Il le laisse même pas toucher le sol. Tu sais, Messi, dans ce système de jeu, c'est comme au Barça. Tu sais, lui, il vient aller chercher les ballons. Tu le vois dos au but, mais tu lui donnes. Il lui faut une solution sur les côtés. Au Barça, il joue comme ça. Il sait qu'ils sont. Même dans tous les matchs, même en championnat, les gens ils veulent le fermer. Ouais. Mais quand lui il décroche, parce qu'il décroche beaucoup, lui il demande beaucoup la balle. Ouais, ouais. Et les deux au but, il a l'habitude. Tu sais, il faut qu'il y ait des gens autour de lui pour que le ballon il tourne. Voilà. Et Messi ramène des joueurs avec lui. Voilà. Ça crée des espaces. Mais en Argentine, ils ne le font pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas avec lui. Mais lui, c'est normal en tout cas. Quand il décroche, il demande beaucoup de ballons. Il a l'habitude, il faut qu'il touche le ballon. Mais il faut qu'autour, les gens ils se déplacent comme ça, ils ramènent les joueurs. C'est quoi le milieu de l'Argentine? Parce que quoi qu'il arrive, même en club. Macherano. Et il n'y a pas un troisième? Non, il joue à quoi? 3 en bas? Deux, il y avait Fazio aussi. Ah, 3-5-2 là, bizarre là. Il y avait Fazio. Et Otamendi et l'autre là. Mais qu'est-ce qu'il est éclaté lui. Il joue à Manchester lui. C'est lui qui a fait la faute. Ça fait un moment qu'il est à Manchester. Mais bon. J'étais pas sûr. J'ai pas vu le match. Mais non, mais en fait, t'as vu, là j'ai un truc par rapport à Messi. Mais je l'ai oublié, t'as vu? Mais j'ai trop la haine parce que je te jure que ça, c'est un truc archi important à dire sur Messi. Voilà, c'était par rapport à Sampaoli. Quand on disait que Sampaoli devait faire des choix, tout ça et tout, par rapport au marquage et tout. T'as vu Sampaoli, t'as vu Séville jouer, t'as vu le Chili jouer, tu sais ce que c'est. Et lui, c'est football total, ça veut dire tout le monde attaque, tout le monde défend.
C'est ça, c'est ça. Mais pressing haut, et ça veut dire que ça, ça implique tout le monde. C'est-à-dire que le 9, il presse, les ailiers, ils pressent tous. Tout le monde défend vraiment et tout le monde a un rôle dans, dans l'attaque, tu vois. Et là, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a Messi, il peut pas faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai, hein, je te jure que ça, c'est archi vrai. Mais et c'est intense, tu vois. C'est intense. La Suède, ils ont décidé de virer Zlatan exactement pour les mêmes raisons. Alors, l'Argentine veut pas virer Messi. Ouais, c'est vrai, mais tu peux pas le virer. Tu peux pas. Ouais, mais... t'as besoin d'un joueur comme ouais, ça. Mais, frère... mais à partir du moment où le coach n'a pas le pouvoir, ça sert à rien. Non, mais parce que personne ne peut passer au-dessus d'Odin. Ouais, mais à partir du moment où le coach n'a pas le pouvoir, dans le Valhalla. Non, mais tu peux pas. Le coach, il a pas le pouvoir. C'est même un mec comme Messi, il faut le gérer. Tu peux pas. Ouais. C'est un sport d'équipe, ils sont 11. Messi, ouais, il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas débloquer un match tout seul. Il a besoin de ses joueurs autour de lui. Il peut. Non, tout seul, il peut pas. Il aura toujours besoin d'un appui, un truc. Il peut. Mais si tu lui mets deux joueurs sur lui à chaque fois, il peut pas y aller tout seul. Il a besoin d'un appui. Mais si tu peux lui en mettre 4-5, il peut y aller. On connaît tous Messi. Ouais, il peut, mais il l'a pas fait. Ouais, mais non. Mais la plupart de ses ballons. Oui, non. La plupart de ses actions, il part de haut but. C'est pas facile. La plupart de ses actions, il part de haut but. C'est pas facile. Vous dites, il peut. Mais ouais, ok, quand il est lancé, mais là, il part de haut but. Déjà, sur le contrôle, il y a déjà deux mecs sur lui. Il a eu le temps de se retourner. À gauche ou à droite, ils sont deux. C'est pas facile. Donc, quand on dit que Messi peut, ouais, c'est un sport d'équipe. Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'on a fait plus que le tour sur ça. On pourrait rester là des heures et des heures. Mais on a plus parlé des Argentins que les Français quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, je tiens à dire quand même que j'ai kiffé le match. C'est la première fois depuis le début de la compétition que je vibre à ce point-là avec l'équipe de France, faut le dire. Parce que jusque-là, j'étais un peu déçue. Et là, j'ai kiffé. Et je voulais savoir parce que la semaine dernière, c'était un beau match. Bobby l'a dit, oui, on l'a pas fait kiffer. Ils ont mal joué, mais les Français ont bien joué quand même. Ah, t'as pas regardé. Moi, je pense. Ah ben, elle a trouvé. Non, mais les Français n'ont pas gagné parce que les Argentins ont mal joué. Il y a aussi eu des. Ouais, mais là, t'as pas pu kiffer les 25 dernières minutes. Le but, ils prennent un but. Moi, je pense. T'as vu. Par contre, qu'il faut faire attention parce que ce match, ça peut être un bon trompe-l'œil parce que c'était vraiment, vraiment faible en face. Moi, j'ai trouvé. Et par rapport aux défauts dont on parlait la dernière fois, toi et moi, là, sur le jeu de l'équipe de France et tout, moi, pour moi, ça n'a pas été réglé. Et prendre 3 buts contre l'Argentine, c'est inquiétant quand même. Il y a eu des erreurs, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des erreurs. Ouais, mais il y a eu clairement des erreurs. Je suis d'accord avec toi sur 2 et 3 buts, sur la frappe de Di Maria. Faut monter. Il y a un pressing. Oumar, t'as vu sur ça, tu sors avant. Ouais, mais sur toutes les frappes comme ça, alors dans ces cas-là, en vérité. Non, il y a eu quelques erreurs, je suis d'accord avec toi. Mais sur l'ensemble, c'était vachement bien. D'accord. Puis ils ont quand même un meilleur état d'esprit que sur les matchs de poule. Ouais. Et puis les Français, l'équipe de France a toujours été plus performante. Dès qu'on quitte les poules, dès que c'est un match en jeu et dès que c'est un match justement, que pendant les phases de poule. C'est exactement, c'est souvent le même schéma. Les dernières Coupes du Monde, c'était pareil. Pendant les poules, on est pété et après on est bon. Non, je suis mais il a raison. Il a raison et je l'ai dit au début. Il a raison quand il dit que tout n'est pas réglé. Je suis d'accord avec lui. Oui, c'est vrai. Il y a des bons trucs, hein, mais ça peut être un trompe-l'œil. Exactement. Mais non, on a vu quand même un joueur comme Mbappé ou même Griezmann, son niveau de jeu, il l'a élevé. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs matchs qu'il fait. Sincèrement, même si je veux le voir encore plus. Dans la Coupe du Monde, les gars. Ouais, bien sûr. Mais regarde, après, le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois. Tu sais, tu vois l'action par exemple sur le but de Mbappé, le deuxième. Tu vois, ça, en 4 passes, on arrive devant leur but, tout ça et tout. Là, les gens vont commencer à dire oui, ça y est, on a trouvé la formule, on a un fond de jeu, style et tout. Non. Mais t'as vu, c'est juste parce que en Argentine, le terrain, c'est no man's land. Je suis d'accord avec toi. C'est juste ça. Et on en a mis 4, on aurait pu en mettre 6 ou 7, facile. Niveau confiance, voilà. Niveau confiance et tout. Moi, t'as vu ce que je tiens à relever aujourd'hui, j'ai pas regardé le match, mais ce que je tiens à relever déjà, c'est déjà qu'on mette 4 buts. C'est déjà un truc de ouf. Ouais. Et c'est quand même pas n'importe qui l'Argentine, c'est quand même une équipe. Pavard, on en parle Pavard, ou quoi? Le but de Pavard, quoi. C'est le même but que Nacho face au Portugal. C'est le même but que Nacho face au Portugal. T'as vu, il part fort celui de Nacho. Là, lui, t'as vu, il part l'effet, ouais. Ben c'est là où tu sais que tu vois l'effet. Elle tourne. T'as vu, moi il y a 2-3 jours, je crois, j'ai dézingué l'équipe de France. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a fait preuve d'un gros mental. Parce que mener 1-0 après être mené 2-1 et revenir dans le match, pour moi, ça, c'est puis revenir 4-2 puis 4-3. Elle a quand même quelque chose, tu vois.
Les bons points, moi je dirais, voilà, c'est ça. C'est mentalement, le mental. Pour moi, mentalement, c'est la cohésion du groupe. La cohésion du groupe. Et certaines individualités, parce qu'Mbappé, la première mi-temps, c'est incroyable. Question. Incroyable. Ouais, mais vas-y. La question que j'avais, j'ai demandé à Omar tout à l'heure. Au début de la compétition, tu nous as dit qu'on avait un leader technique, Griezmann. Ouais. Mais est-ce que, au vu du match de Mbappé, est-ce que c'est pas lui le notre leader technique vraiment, parce qu'il a pris ses responsabilités. Moi j'ai vu le match en et il a tout dynamité, tu vois. Donc il est sur trois buts, je suis sûr. Après le quatrième, Omar il m'a dit oui aussi. Donc il est dans tous les bons coups. Pour moi notre leader d'attaque c'est Kylian Mbappé. Hein. De Griezmann. Ils se complètent bien. Même c'est deux grands joueurs qui arrivent à jouer ensemble, c'est pas comme Higuain et Messi justement. Exactement. Et en plus, ce truc, c'est quoi ? C'est voilà, aujourd'hui c'était lui, c'était très bien. J'espère que demain ce sera Griezmann et ce sera très bien aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste ça. Tu vois. On a deux options et il faut pas qu'on soit aussi bête que les autres. Que sur un mec. Et t'as vu là Mbappé. Ça y est, ils sont partis. C'est un truc d'ouf. Hein. Ok. Tu peux me la remonter. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, je pense que c'est le moment de faire une petite. On en avait des choses à dire là. Wow. On revient parmi vous tout de suite, bougez pas. On est de retour parmi vous. Bon, bah, l'émission touche à sa fin. Hein. J'aime pas dire ça. Et là, je vous vois encore faire. Oh. Et on va parler un peu du match de ce soir. Le deuxième huitième de finale qui oppose le Portugal à l'Uruguay. Vu que c'est le futur adversaire, entre guillemets. Eh, les gars, s'il vous plaît. Le futur adversaire de l'équipe de France. Donc, ouais, en gros, il y en a un chez. Il fulmine, là, de parler du match de ce soir. Je vais lui donner le mic en premier pour qu'il se libère. C'est Karim. Ah, c'est moi que tu visais, mais Cristiano, il faut le laisser tranquille. Oui, ça joue à 11. Le football, ça joue à 11, hein, tu sais. On verra, tu sais. De l'autre côté, il y a Suarez Uruguay, de l'autre côté, tu sais. Moi, je suis pour l'Uruguay. Il y a Suarez. Moi aussi. Cavani, excusez-moi. Mais ouais, Suarez, ça, c'est... Il y a Suarez Cavani, attention. Ça fait une doublette. Ils n'ont pas ça, le Portugal. Attention. C'est deux équipes avec des individualités. D'un côté, il y a Edinson Cavani et Luis Suarez. Et l'autre, il y a Cristiano Ronaldo. C'est Ronaldo. Mais sauf que les Uruguayens, l'Uruguay pour moi c'est pas que des individualités, ouais. Hein. Ils ont un groupe aussi. Il y a deux grands joueurs. Ils ont un plus gros collectif que les Portugais. Oui c'est sûr. Et ils connaissent pas. Et au milieu de terrain déjà c'est meilleur devant c'est meilleur. Tu parles si on additionne les forces. Il y a qui au milieu? Mathieu Vecino, ouais. Miguel Torreira. Ouais. Il y aura peut-être l'oignon. Ouais, Christian Rodriguez qui rentre en jeu. Ouais, mais ouais, vous abusez. Ouais, c'est bon. T'as dit quoi? Mais les trois milieux, pas offensivement, les trois milieux. Non, mais bon, pour moi, c'est pas des grands joueurs. Non, mais Carvalho, Motilo, mais il faut le job. Bernardo Silva, tout ça. Non, mais de toute façon, même si c'est pas des grands joueurs, c'est toujours plus fort que le milieu du Portugal. Ouais, mais je vois pas de qui tu parles. Vecino, c'est un potentiel. Il est bon. Il n'a pas encore prouvé. Non, parce qu'il y a des joueurs aussi en face. Il y a Bernardo Silva. Ouais, mais Bernardo Silva, il est éteint depuis le début de la Coupe du Monde. Mais il fait pas une bonne Coupe. Mais il peut faire un bon match. Il est pas au milieu. Il peut faire un bon match aussi. Il est pas au milieu. Non, il est dans son poste, il est au milieu. J'avais oublié aussi à Bentancourt. Ils sont deux devant. Il est à droite. Il est. Oui, mais c'est milieu. Oui, mais c'est milieu. Il peut monter. Il peut attaquer et défendre à son poste parce qu'il n'est pas un ailier. Il y a plus de force quand tu regardes l'équipe de l'Uruguay, quand tu regardes celle du Portugal. Oui, dans le collectif, ça joue mieux, ils sont plus vite, meilleurs. Je ne parle même pas de jeu, je te parle de quand tu regardes les deux équipes sur le papier. Sur le papier, le Portugal, ils ont des meilleurs joueurs. Non, d'après vous, ça. Là, c'est ton amour pour Cristiano Ronaldo. Non, mais non, c'est pas ça. Non, attends, il est tout seul. Bah, vas-y. Mais il est tout seul. Si tu veux, Si tu veux, on fait pas. Ils n'auraient pas gagné l'Euro si ils n'auraient pas de joueurs. Ils seraient pas là s'ils n'auraient pas de joueurs. Ils ont une meilleure charnière centrale. Arrêtez. Ils ont une meilleure attaque. Arrêtez. Et ils ont un meilleur milieu de terrain. L'Uruguay. Ah oui, non, oui, d'accord. C'est qui leur latéral gauche à l'Uruguay? C'est qui leur latéral gauche? Ouais.
Je sais pas. Il ouais, y a Guerrero, ils ont Jiménez Godin, gros. C'est pas ouais. Là, c'est, eux, ils rigolent pas, eux. Jiménez Godin, c'est bien. Et ils ont, t'as vu, après, au milieu, comme on a dit, t'as vu les trois, là, Torreira, Betancourt. C'est le remplaçant de la Juve, là. Ouais. Remplaçant, mais il a joué. Ok, d'accord. Match à Vecino. D'accord. Et devant... Eux, ils ont Suarez et Cavani. Ouais, c'est une doublette, ça, ça fait deux. Dans les mégastars, laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as vu, parce que eux, dans les mégastars, Cavani, tu sais que c'est un mec qui se dévore de ouf, il fait des retours de malade. Ouais, rien à dire. Au niveau de l'état d'esprit, c'est sûr que collectivement, déjà, eux, ils sont prêts. Suarez, c'est pareil, hein. C'est un mec, t'as vu, il va jusqu'à mordre les gens. Rien à dire. Montrer ce qu'il a bah, dans c'est la paire avec Messi. Hein. Montrer qu'il voilà, il a la hargne. C'est la paire avec Messi au Barça. Ouais, c'est ça. Mais il n'a pas le même comportement que Messi. Non, c'est sûr. C'est un sicario. Donc mais voilà. Moi je pense que Uruguay c'est relou, mais de toute façon ça va être un match dégueulasse parce que c'est deux équipes qui ferment. Ça va être dur à regarder. Parce que c'est deux équipes qui ferment. Je voulais demander comment on voit le match là ce soir. Dégueulasse. Ah, ça va être dur à regarder. France-Argentine dégueulasse, non bah, France-Argentine n'était pas beau de ouf, il y a eu des beaux buts, mais c'était pas mais un match pas de dégueulasse. Mais t'as 7 buts. Ça va être dégueulasse quand même. C'est beau quand même. Non, c'est beau, c'est beau de voir des buts, mais on n'a pas eu du beau football, c'est ça que je veux dire. Tu penses que ce soir, ce sera tu sais, à partir de... Non, mais à partir de l'élimination directe. C'était bien tout à l'heure. Je ne sais pas que c'était pas bien. Je ne sais pas que c'était pas bien. Oui. Ouais, mais sur année. À partir du deuxième tour, tu ne peux pas demander à une équipe de gagner avec la manière. Il faut se qualifier. Non, mais vas-y. Il faut se qualifier avant tout. Mais vous avez vu Uruguay et le Portugal jouer un peu là vous avez... Non, mais parce que... Le Portugal, on sait déjà. C'est pas... Non. C'est pas du jeu. Le premier match, il était beau, mais il y avait Ronaldo, quoi. Le premier match, c'est non, mais c'est pas du jeu, c'est ouais, des actions, c'est pas du jeu. Parce que l'Espagne, déjà, jouait très très bien. Ouais. Ce qui était beau chez le Portugal, c'est qu'ils se sont battus, c'est ça. Ouais, ils se sont battus. Et contre-attaque voilà. Aussi, ils auraient pas gagné l'Euro, ils auraient pas fait tout ça. C'est ça. Voilà, après les contres, ils ont des contres, ils vont à 100 000 à l'heure. Ils le font trois fois dans le match. Après, ils sont carbo. Mais l'Uruguay aussi, dégueulasse contre l'Arabie Saoudite. C'est ça, Arabie Saoudite dans leur groupe. Dégueulasse. Mais d'après vous, il vaut mieux faut mieux tomber face à l'Uruguay ou face au Portugal? Pour moi, c'est le même elle match. Elle m'a devancé. C'est ma question. Là. Je vais dire en rapide là. Pour moi, c'est la même configuration. C'est style, ouais, tu joues contre deux équipes qui bloquent. Par contre, voilà, après, tu sais qu'il y a une équipe dans laquelle il y a CR, dans l'autre, il y en a deux. Tu vois Et les deux, à tout moment, ils peuvent te planter. Ouais. Ou te... faire un truc de fou. C'est soit l'un soit l'autre. Soit ils passent au travers de leur match, soit ils font un match de folie. Quoi. C'est que, t'as vu. Moi, Varane et Umtiti avec Suarez et Cavani dans une surface, ça fait ouais, c'est, mal. Ouais, c'est les jambes c'est qui tremblent. C'est les jambes qui tremblent. Suarez et Cavani. À qui Suarez et Cavani. Ouais, voilà, c'est ça. Leur faire peur, toi, c'est ça, tu vois. C'est que, en plus, Suarez, c'est un vicieux de ouf. Il peut les rendre fous. Hein. Non, mais ils peuvent se les faire. Il a tous les entraînements toute l'année. Il l'a. Qui Suarez. Ça veut dire qu'après l'autre, il a ceux qui peuvent la soirée. Ouais, bah oui, ils se connaissent. Là, tu nous dis en suspens que Ronaldo, il sort ce soir ou quoi voilà. Non, le match. Non, parce que là, il parlait de France et Uruguay, et c'est dans le pire des cas. Dans tous les cas, on dans le pire des cas. Suarez, même il a l'entraînement, mais tu penses qu'il arrive à l'arrêter? Je pense que gros, il doit se manger des misères d'eau. Mais c'est normal, avec les joueurs qu'il a et le ballon, comment il doit tourner à l'entraînement. Mais même, ça va pas être facile. Suarez, il est archi complet, tu vois. Il va vite, en 1 contre 1. Voilà, il a des appuis de ouf. T'as vu? Quand il met un crochet court, c'est dangereux. Il enchaîne vite, fort. Il a un jeu d'eau au but, c'est ouais, mais il a beau jouer au pied, mais Cavani il est plus difficile parce que ses mouvements, ils font la différence. Si il prend à profondeur, c'est un des. Balle au pied, t'as l'impression que Suarez c'est un 10 et que Cavani c'est un 9. Il a pas de ballon au pied, Cavani. Mais quand il est lancé, il s'appelle. Ah lui, il est vraiment relou à France. Incroyable. Après, les Français, là, on a une petite malédiction quand on joue contre les Portugais dernièrement. Ouais. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux éviter les Portugais. Mais bon. Les Portugais, c'est en fait, c'est une équipe qui ferme et qui essaie de marquer dans ces deux actions. Par contre, moi, je veux le Portugal et les sortir sales, mais sales. Genre sales, un truc qui leur fasse vraiment mal. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'Uruguay qui le fasse ce soir. C'est un de vengeance. Tu veux voir Cristiano Chialet encore. Ah ouais, de ouf. Toi, tu veux voir Cristiano Chialet, toi. Voilà. Et Karine, si c'est France-Portugal, c'est comment? Bah non, je suis français avant tout. Merci. Je suis français. C'est vrai? C'est vrai, ça? Je suis français. Est-ce que c'est vrai? Mais le match peut se finir. Je suis français. Il peut te crier. Un petit 2-1, tu vois. Moi, je suis français, moi. Non, France-Portugal, le choix, il est vite fait. Je suis français. Je serai bleu, quoi qu'il arrive, mais.
Bon, faut juste pas le blesser, Cristiano, c'est tout. Mais je suis d'accord avec Willy, surtout contre les Portugais, j'aimerais vraiment en mode vengeance qu'on les défonce. Quoi. Ah ouais, là, Sergio Ramos, Sergio Ramos, il a dû avoir une note du président, on touche pas à Ronaldo. Ouais, clair, ça c'est sûr ça. Sergio Ramos, il a dû la déchirer, la note du président. Voilà, quoi. On a rien à péter du président. Quand tu veux pour une équipe, plus, il y a pas de... Là, tu lui renvoyais, mais qui es-tu ? Il y a personne qui parlait. Voilà. Donc, bon, en résumé, là, vite fait, prono pour ce soir. Pronostic. Moi, je vois aller 2-1 Uruguay. Même chose. Avec un but Suarez et un Cavani. C'est trop facile. Moi, je vois un match nul et une qualification en prolongation. Pour qui ? De l'Uruguay. Oh. Il s'est mouillé. Il s'est mouillé le poteau. Hein. Ouais. Moi, je vois bien. Je vois bien l'Uruguay. Hein. 3-1. Moi je vois bien l'Uruguay gagner. Les matchs dégueulasses quand même. Parce que moi je vois l'Uruguay parce que pour moi l'envie, la détermination qu'ils ont, pour moi c'est grave important. Et les Portugais, c'est. Uruguay combien pas... On tente. 2-Z. Ouais. Moi je vois un but sur coup de pied arrêté. C'est pointu, toi. C'est que si c'est. Pour l'Uruguay. Attends, laisse finir. Tu vois quoi, toi ? Un but sur coup de pied arrêté de l'Uruguay. Ok. Si c'est ça, vendredi, on va cocher notre feuille Euromilion ensemble. J'ai une flash info à mon oreillette, là. J'ai une petite flash info à mon oreillette, là. Ah, je viens de pêcher mes infos, là. Je viens d'apprendre un truc de ouf, là. CR7 sur le banc. Non, qui n'a rien à voir avec. Mais le jeune Amin Harit, là, de Nantes. Ouais. Il a tué quelqu'un, apparemment. Non, il a acheté son avocat. Mais oui, il a acheté. Apparemment, en fait, il a fait. Tu sors ça, non ? Voilà. Accident de voiture. C'est un joueur de foot. Un joueur de foot. Ouais, parce que c'est un plombé. Là, chapeau. Tu sors un truc ? La lente, là. Non, voilà. Je me dis, maintenant, il y a un truc de ouf. Ah, mais moi, c'est un joueur de foot. Il sort de l'eau. Il vient de sortir de l'eau. Enfin, la Coupe du Monde. Il en voiture. Je sais pas, il était en tchop. Il a renversé quelqu'un. Il a renversé quelqu'un. Il va sortir. Bon, on coupera son mental, le pire. Non, là, non. On va le laisser. Là, on était sur les pronos Portugal-Uruguay. Tu vois quoi ce soir? Je veux que le Portugal y passe. Oh, ouais. Mais pronos. Les pronos, pour avoir notre revanche. Ah. Et mais l'Uruguay, je pense qu'ils vont gagner. Ouais. Oh là là. Combien? Moi, je veux, mais ils vont les. L'Uruguay, ils vont les frapper. 1-2-1, moi. 3-2. Moi, je suis d'accord aussi. 3-2. 3-2 pour toi aussi. Avec un but sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est possible. Je pense que ça va être serré. Ça va pas être si dégueulasse que ça. Enfin, genre, moi, je le souhaite. Je pense que. Vous l'avez entendu, hein, retenez bien. Il y a des chances pour que l'homme du match soit la VAR hein, ce soir. Hein. Je pense que la vidéo, on va voir aujourd'hui. Beaucoup. Ouais. Je pense. Ok. Je pense. Parce que. Mais rien que. Bah, Suarez aussi. Hein. Pépé, Suarez. Là, imagine-toi, un Pépé, Suarez dans la même surface. Oh là là. Ça va être un combat. Mais quoi, putain de duel. Putain de duel. Mais Suarez va tomber dans le jeu de Pépé. Or qu'un Cavani, il va le fatiguer, mais lui, il va prendre le dessus sur lui dans le jeu. J'ai hâte. Cavani, c'est le mec qui fait les meilleurs appels, je crois. Meilleur neuf du monde, meilleur neuf du monde. Ah, de ouf. Ah. Là, ça c'est un autre débat. Meilleur neuf du monde. Eh, toi, c'est pour lui ou c'est pour lui ? Bien sûr que c'est pour moi. Non, c'est bon, on arrête. Hey, ça a été un super plaisir d'être parmi vous. Malheureusement pour nous, ce sera notre. Edouard, s'il te plaît. Ce sera notre dernier match qu'on a fait aujourd'hui ensemble. On va vous dire un grand au revoir. Personnellement, ça a été un plaisir. On pleure sur comme nos, toujours. Nos on espère vous voir et on vous reverra sur d'autres événements. Ouais, quelque chose me dit qu'on va innover avec la Champions League. La Champions League peut-être. Voilà. Et ça a été un grand plaisir. Et McFay, les acolytes, je vais vous laisser, dire attends, un au revoir. Vas-y, je t'écoute. Un truc, McFay vient de m'annoncer qu'il y a des fortes chances pour qu'il nous quitte. Parce qu'apparemment, il a une proposition de Bein Sport. Ah, merde. Oui, je vous mens pas. Le chèque était plus gros là-bas. Et ils sont comme ça. On vous a pas habitué à ça, nous. Là-bas, on m'a dit on me traiterait mieux. Il y a un gros chèque à la clé. Bon, bye bye. Bye bye à tout le monde.
Et je tiendrai quand même à remercier Oumar de m'avoir invité sur ce podcast. Eh, grand ouais, plaisir, la mutée mystère. J'aurais tellement envie de dire ton blaze, mais je peux pas. Et ouais, ça a été un plaisir. Et puis, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ah, moi, je dis peut-être à bientôt. Hein. On se verra peut-être avant l'Euro ou la, coupe, ou la prochaine Coupe du Monde. Au revoir à vous. Moi, je tenais à féliciter l'invité mystère parce que je trouve que tu as des. Des paroles pertinentes et je trouve que pour une première vraiment pas mal et voilà, bisous à tous. Merci beaucoup. Et vas-y, allez regarder là, allez regarder et faites pas les malins, sérieux là, faut des vues là, faut qu'on pète le score là, faut que ça tombe dans les oreilles, dans les, surtout dans les yeux d'Omar, hein, c'est ça, hein. Voilà. Comme ça il vient nous chercher, il va nous dire hey, les petits là qui parlent de ballon et ils sont bons, voilà, et, ils sont bons c'est voilà, là j'aime bien et, voilà, il y a de l'ambiance, il y a tout, ils ont du charisme. Et Redouane, sur Anne, t'as le droit de nous dire au revoir. Bah moi, je voulais aussi te remercier, Oumar. Avec et grand Redouane plaisir. Aussi. C'est notre, oui. C'était notre Anne Orbonnet. Vous avez vu quand je vous ai dit, là, tout charme, là, il arrive. Là, il est là. En plus, c'est mon assurance vie aussi. Bon, ça, c'est non, à part. Un grand merci à Redouane. Merci beaucoup, Redouane. Merci, Redouane. Un grand merci à Redouane aussi. C'est un plaisir d'être avec vous. À très bientôt. Pour ma part, j'ai une mignonnette de trucs qui m'attend là. L'architecte de tout ça. Non, terrible, terrible. Merci. Ciao. Merci. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou sur notre site internet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description.